à faire, mais c'est ce qui permet de sortir de la spécialité pour arriver à la mixité. Voilà. On a fait à certains moments une utilisation de l'espace qui était marquée par une excessive spécialité. Et il faut qu'on arrive à la mixité, à la diversité, à l'échange, parce que la ville est faite de cela. Et c'est une conviction, si vous voulez, un peu humaniste qui explique que tout le monde s'y retrouve. Voilà. Nous avons la chance d'être soutenus, accompagnés par la population. Et pour ce faire, eh bien, nous maintenons cette démocratie participative, ces rencontres qui leur permettent de nous apporter leur éclairage, leurs propositions pour faire des Grésilles un des plus beaux quartiers de Dijon, c'est ce à quoi nous appelons. Discrimination positive, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, mais c'est ça, c'est donner plus à ceux qui ont moins. Voilà, si ce principe s'appliquait un peu partout, ça serait très bien. Vous habitiez ici? Oui, ça fait 7 ans que j'habite de Grésilles. Ouais. Dans l'immeuble qui va être détruit? Non. Côté. C'est qu'il occupe une bonne place là. Après, le démolir, ça va être dommage. Dans la ville, on s'habitue à le voir tout le temps, là, on passe à ce que je veux. Ça va être dommage qu'il démolisse. Donc, plus un petit pincement au cœur quand même. Ouais, un peu. Après, ce sera pas pareil, ce sera pas le quartier, ce sera pas la même. On va tout changer. En plus, là, il commence à changer le quartier, donc ça ne va pas comme avant. Il change comment ? Ils mettent des petits bâtiments de partout, des petites maisons de partout. C'est d'ailleurs. Et vous préfériez avoir un grand immeuble ? Les grands bâtiments, ouais. C'est ça que vous préférez ? Pourquoi ? Parce que c'est depuis qu'on est né, on a vu ça, et là, ils font tomber un par un, donc on en voit de moins en moins. Vous allez pas rester là, hein. Oh, c'est bien. Ouais, c'est bien.